Eh bien, rebonjour à tous, ou bonjour à tous, ça dépend. Et aujourd'hui, je vous fais la deuxième partie de ma vidéo sur comment créer, configurer, créer des PNJ, etc. sur un serveur World of Warcraft. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer un PNJ. Et si on a du temps, à le mettre en mode. En mode vendeur, en mode donneur de quête. Je vous apprendrai aussi à créer des quêtes. À créer des armes si j'ai le temps. Donc tout d'abord, alors hop, ça c'est mon hébergeur qui est un autre PC que je me sers que pour ça. Donc vous reconnaissez vos logiciels. Donc là, je rappelle que là pour le moment je fais des tutos sur le Cataclysme. Après je vous ferai sur le Lich King parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment aussi créer des serveurs Lich King. Alors vous lancez MySQL. Hop. Comme ça, vous pouvez accéder à Navicat, donc à la DB. Vous allez sur World 2. Vous allez sur Créature Template. Voilà, ça charge. Vous faites plus. Entrée. Ça va être le numéro du PNJ. Donc, on va marquer 2. Moi, je vais marquer ça en 2012. 2012. Non, attends. Oula. 2012. Voilà. Normalement ça doit marcher. Ça, entrée, vous laissez. Voilà, vous allez dans Name. On va marquer quel nom. Alors, on va marquer YouTube. Le subname, ça va être le nom en dessous. On va marquer vidéo test. Voilà. Le minimum level, donc ça va être son level, son niveau. On peut le mettre soit entre 1 et 80, donc enfin 1 et 85. Donc dès qu'on va créer le PNJ, on sait pas quel niveau il va être. Donc moi je mets tout de suite 85. Sinon après je pourrais lui changer son niveau en jeu, mais bon. Ça doit être l'expérience, je pense. Donc je vais mettre 5000. Faction A c'est alliance, faction B, enfin faction H c'est donc ça, la faction on s'en fout, même s'il nous agresse ou qu'il nous agresse pas. Après dans le jeu on peut le faire. Ça, NPC flag, le flag ça va être donc il y a longtemps que j'ai pas créé de serveur ni créé de PNJ, donc je me souviens pas de tout, mais ça je me souviens, c'est pour le mettre soit en vendeur soit en donneur de quête. On va mettre en quête minimum. Ça, je sais pas ce que ça correspond, mais ça, on pourra le faire en jeu si ça nous chante pas. Scale, ça va être sa hauteur. Donc, je vais mettre 2. Il va être quand même assez gros le machin. Puis ça, pour le moment, ça nous intéresse pas. Voilà. Alors, on revient là. Et on doit trouver. Modèle ID1. Voilà. Donc ça va être à quoi il va ressembler notre PNJ. Ça aussi, vous inquiétez pas, on pourra le changer. Donc tiens, je vais mettre. On peut mettre au hasard, mais je vais mettre comme l'autre en dessous. 2012, c'est ça, voilà. Donc là, vous faites sauvegarder. Voilà. Hop. Votre PNJ a bien été créé dans votre base de données. Alors je vais filmer avec Fraps après dans le jeu pour que ça fasse une meilleure qualité. Donc là je ne sais pas si vous voyez, mais bon, je vais vous dicter en même temps. Donc là c'était dans Créature Template, dans la, donc ça c'est la table Créature Template dans la base World 2. Donc là vous avez créé un PNJ, bravo, félicitations. Gamtel, c'est quoi Alors, je me demande si. Non, c'est. Me suis trompé, excusez-moi. Alors là, pour créer des quêtes, donc pour que votre PNJ soit dise bonjour, soit vous faire une quête, allez me chercher, deux têtes de. Je sais pas trop quoi, puis vous gagnerez 200 heures. Donc on va aller dans quest. Quest point quest non euh,
marqué Stomp Plate. Voilà, ici, là. On entre. On attend que ça charge. Voilà. Donc ça va être les quêtes. Donc pareil, plus. On met un numéro, donc on va changer les habitudes. 2012-2012, comme ça je suis sûr de pas trop me tromper. Alors la quête pour les minimums de level. Donc ça va être une quête pour par exemple les niveaux 85. Hop, voilà, quest level 85. Type. Alors. Je sais pas c'est quoi ça. Voilà, alors où est-ce que j'en étais? Voilà, type, on va mettre 85. Pire ça on pourra le changer par la suite. Donc c'est pas très très important. Voilà, hop. Et on essaye de faire au plus vite. Voilà, donc là le titre de la quête, ça va, je vais l'appeler YouTube. Le détail, bonjour. Voilà, objectif, on va rien mettre. Donc si on va mettre... Voilà. On fait sauvegarder. Donc là, je vous ai appris à comment créer un PNJ et comment créer une quête. Donc on se retrouve en jeu pour voir si ça a bien fonctionné. Et re tout le monde. Donc en fait, je me suis recréé un petit personnage hein, juste pour vous montrer comment créer des PNJ. Donc c'est bien sûr la suite de ma vidéo. Alors j'avais déjà créé un PNJ, donc si vous venez sur mon serveur, même s'il est ouvert sous Hamachi et qui marche bon, assez bien, mais il n'y a encore personne dessus. Voilà un exemple de PNJ que j'ai créé, donc Salouar, stuff de départ. Toutes les classes, toutes les races en ont. Alors côté Horde, c'est un orc, côté Alliance, c'est une jolie femme. Donc droit, vous avez les stuff de départ. Je vais pas m'attarder à me stuff. Hein. Donc là, vous voyez que mon PNJ est niveau 11. Je sais plus c'est quoi, point de PC level. Attendez, parce que je veux vraiment que je retrouve voilà, le PC 7 level. Je peux le mettre 85, voilà. Donc là, vous voyez que mon PNJ est maintenant niveau 85. Bon, sa vie n'a toujours pas augmenté, hein, malheureusement. Un autre type de PNJ, le téléporteur. Donc celui-là, il est en anglais, parce que voilà, quoi, il est en anglais. Donc je peux aussi me téléporter où je veux. Et maintenant on va aller dans l'île des maîtres de joueurs. Je ne suis pas sûr que la quête que j'ai créée devant vous ait marché. De toute façon les PNJ que j'avais créé devant vous n'ont pas fonctionné. Donc pour pas me ridiculiser, voilà, regardez l'autre type de PNJ. Donc là c'est Salouar, le même, la même femme est niveau 80 ici. Voilà, hop. Voilà. Point tel GMI, c'est pour aller dans l'île des maîtres de jeu. Donc voilà, là vous êtes dans l'île maître de jeu. Donc celui-là on s'en bat la race. Voilà. Point NPC delete. Et le PNJ se casse. Donc là pour créer un PNJ, vous allez faire point NPC add le numéro. Donc moi là c'est 1. Pourquoi ça marche pas? NPC add. Ouais, donc en fait, bon là le 1 il ne fonctionne pas. Donc mon PNJ marqué YouTube, abonnez-vous et tout le bordel.
il marche pas. Donc là, c'est une grosse fail. Mais sinon, en jeu, comment créer des PNJ ou les emporter? Alors, vous trouvez un PNJ. Donc, par exemple, lui. Vous faites .png info. Voilà, ça va vous donner. Vous faites .png add. Vous trouvez ensuite l'entrée. Donc, l'entrée, c'est 2. Donc, vous faites .png add 2. Hop. Et voilà. Là, je vais faire un autre PNJ vite fait, vu qu'il me reste 4 minutes pour nous. Le 85 n'existe pas. Voilà, donc là j'ai fait un truc comme ça. Voilà, oula. Je vais mettre tout de suite niveau 85 parce que sinon le bordel il va m'aggro. Et vu qu'il est niveau là, alors je peux aussi lui changer son. NPC7. Alors je sais que je peux lui changer sa faction. Donc on va y changer faction ID 35. Comme ça il sera gentil. Voilà. Là, en fait, bon là il m'attaque encore parce qu'il y a un bug. Pointer vers le vent, mais pointer. Voilà, donc là je vais aller hurler. Bon, je peux pas, il m'énerve, il commence à me prendre la tête. Alors je vais le recréer et je vais le supprimer. Non. Point NPC. Voilà. Point NPC add 48. Voilà. Et là je le recrée et ce PNJ est maintenant gentil avec la horde de l'Alliance. Et je vais vous montrer comment on le met en gentil, enfin point npc cette flag. Et après si vous mettez 9999, voilà, vous aurez la petite icône forgeron, clic droit et là vous pourrez mettre vos quêtes. Voilà, et quand vous recliquez, vous avez le votre PNJ pourra faire ventre aux enchères pour aller dans les champs de bataille. Il pourra créer des guildes, faire tout un tas de choses, mais là j'ai l'impression que je bug un petit peu. Ouais. Voilà. Voulez-vous que l'île MJ devienne votre nouveau foyer? Voilà, là il va me demander où est-ce que je veux me téléporter, donc là. Créer une guilde. Donc là, tout de suite, je peux marquer en guilde. Acheter une charte de guilde. Voilà, hop, je retourne ici. Et voilà, et là, staff digital. Donc vous pouvez voir que pour les PNJ, ça marche, je vous ai appris. Et dans la prochaine vidéo, je vous apprends toutes les commandes sur le PNJ. C'était Splin05 et pensez à vous abonner. Salut tout le monde!